Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo et ce sera, on va au cinéma, donc c'est parti. Ça y est les enfants, on est au cinéma. Trop bien! Trop bien! Papa, juste une question. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Tom? Pourquoi maman et Manon, elles sont pas venues? Parce que Manon est trop petite pour voir un film de Romain, alors maman est obligée de la garder. Ah! Bonjour. Bonjour, cinéma de Plémo, que puis-je faire pour vous? Nous sommes venus pour voir le nouveau film Romain. D'accord, puis-je voir vos tickets? Ils sont ici. Merci beaucoup. Quatre entrées du coup? Oui, quatre entrées. Vous voulez quelque chose à manger? Vous voulez quelque chose, les enfants? Nous, on aimerait des M&M's. Et moi, des pop-corn. D'accord. Donc, une boîte de pop-corn et des M&M's. Un paquet d'M&M's. Ok, ça marche. Voilà. 30 euros, s'il vous plaît. Tenez. Merci. Le nouveau film Romain se déroulera dans la salle 1. D'accord, merci, au revoir. Au revoir. Donne-moi les M&M's. Non, c'est les miens. Les enfants, arrêtez. Le paquet est pour tous les deux. Désolé, papa. Si vous voulez aller aux toilettes, c'est maintenant, pas tout à l'heure, hein. Moi, j'ai pas envie. Moi non plus. Oui, non plus. Bon, allez, c'est parti alors. Une fois arrivés dans la salle. Allez, on s'installe, les enfants. Ouais. Moi, je me mets là. Non, Marie-Lou, les meilleures places sont tout en haut. C'est pas comme au théâtre. Ok. Waouh, c'est hyper haut. Ouais, t'as vu? C'est quand qui commence le film? Bah, je sais pas, attends. Ah, je crois qu'il va commencer là. Trop bien. Tu me passes des M&M's, Tom? Ouais, tiens. Merci. De rien. Wow, il est trop bien. Ah, Alexandrie. Viens juste ici. Ils sont bons, les pop-corn. J'ai la permission de repartir. Ça ne fait pas 2 semaines que tu es dans la Légion et tu fais. Rappelle-toi que nous venons en paix. Ah, Quintus. Ton papyrus d'identité suffira, les frontières sont ouvertes. Maintenant, viens avec moi, garçon. Redresse les épaules, comble le torse, relève la tête et regarde droit devant toi. Par tous les dieux, laisse tes craintes s'envoler. On tira la paix entre Rome et les chiffres. Ils sont trop bons, les popcorns. Ils s'attaquent pas, ils viennent seulement discuter. Ne vous laissez pas abuser, ma sœur. J'en suis sûr. Nous sommes deux à prendre la décision qu'il attaque tout seul. Faire volonté. Non. Je suis certain qu'il nous réserve un accueil triomphal. Qu'en dis-tu, Marcus? Tout à fait, ça. Mais ça ne reçut. Tous aux abris. À vos boucliers. Papa, j'ai envie de faire pipi. Mais postez, c'est ça. Quoi? Mais viens juste de commencer le film. J'ai envie de faire pipi. Ben, on y va alors. Stop, les enfants, restez. Restez bien sages. J'amène Marie-Lou aux toilettes. Entendu. Ok. Mais c'est pas possible. Une fois revenu des toilettes. Une tribu de plus, finalement. Oui, une fête. L'Égypte, je dois reconnaître que votre sœur a fait preuve de beaucoup de courage lorsqu'elle s'est opposée à César au cours de l'attaque. Oui, le peuple la considère meilleure dirigeante que moi. Toi et tes hommes devez empêcher qu'un accord de paix soit conclu, Hakim. Mais comment, Pharaon, sans le soutien de l'armée qui est dévouée à Cléopâtre, personne ne voudra se battre contre les Romains, sauf si nous libérons les fléaux que renferme le sanctuaire d'Anubis dans la pyramide. Les fléaux? Mais si nous libérons les fléaux, des catastrophes terribles vont se produire. De violentes tempêtes de grêle s'abattront sur tout le pays. Des sauterelles détruiront les récoltes. C'est exact, Pharaon. Et le peuple y verra un signe des dieux, un présage que la paix avec Rome ne leur apportera. Donne-moi des M&M's, Tom. Chez les fléaux. Non. Pour moi. Non. Et oh les enfants, chut, chut, chut. On se dispute pas pour des M&M's quand même. Terre.
Pardon. Nos pays sont en guerre. Pardon. Et je sais des gens. Attrapez les pillons de tombe. Trouvez les fléaux. Je ne vois pas en quoi cette affaire me concerne. Je ne devrais même pas être ici. Peut-être pourriez-vous essayer de rentrer à Rome avec ce char. Peut-être César devrait-il te jeter en peinture au lion. Au lion. Je suppose que César t'a pris en affection depuis que tu as donné l'alerte sur le bateau. Mais c'était un coup de chance. Je ne suis au courant de rien. Tu m'en diras tant, mon cher Quintus. Faisons demi-tour pour aller l'expliquer à César. Tais-toi et continue. Oh, les ordres sont les ordres. Ça vient. Je t'ai demandé d'avancer. La pyramide. Ça. Nous sommes dans un cul-de-sac. Attrapons ces pigments. Oh non, il y a les méchants des yeux. Attrape-toi. Samira, reste avec nous. Rome, vous ne perdez rien pour attendre. Avec moi. Et maintenant, on les affronte. Non, plus tard. Pour l'instant, nous effectuons une retraite stratégique. Une retraite quoi? On se sent. Secret, petit. C'est le nec plus ultra des techniques de construction de pyramides. Comment espères-tu, monsieur? Je sais tout. T'as entendu? Admets-le, tu ne sais pas du tout où on est. Papa, comment ils ont fait pour atteindre des pyramides alors qu'elles sont presque toutes détruites? Vous que vous pouviez bah, ils font des montages, tu sais. Comment? S'expliquerai quand on rentre à la maison. Veuillez m'excuser. Mon grand-père perd un peu la tête. Quoi, mais qu'est-ce que tu racontes, Blanc-Bec? Je suis tout juste assez vieux pour être ton père. Allons, viens, grand-père, la journée a été longue. Ça suffit maintenant. Je ne suis pas ton grand-père. Je suis un champion. C'était super, Marcus. L'espace d'un instant, j'ai vraiment cru que t'étais en colère contre moi. Moi aussi. Quelques heures plus tard, après avoir fini le film... Partagez un verre avec nous au nom de notre amitié. Arrêtons, les amis! Ce sont eux, les fléaux. Oui, César. Il faut les garder en lieu sûr pour qu'ils ne tombent. Eh bien, je dois le reconnaître, tu m'as été d'une aide précieuse pour remplir ma mission. Tu permets? Non. Après tout, je suis ton porte-bonheur. T'as vu ça où? Abattez César! Sérieusement? Vous avez ramené un bouton. Ça me suit! Attrapez-le! Mais on se trouvait enfin! Mais je ne l'ai pas fait exprès, je vous jure! Ce reste monsieur le centurion, c'est clair! Il est fini? Oui. Il était vraiment trop bien. Ouais, c'est vrai. Allez, on rentre à la maison. Ouais, on y retournera, bien sûr. Trop bien! Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, s'abonner et dites-moi en commentaire si vous êtes déjà allé au cinéma. Bisous!